Alright, so, audio gang de fuck AQ, c'est Mike THC, mon fucking whip. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer les électroniques ou les choses un peu plus liées au gameplay que je me suis acheté hier au Black Friday. Donc, je me suis acheté deux jeux pour commencer. Commencer avec lui, tant qu'à ça. Rage 2. Donc, Rage 2 que je me suis acheté vraiment pas cher. C'est une espèce de collector, il vient avec le espèce de wind stick, l'arme que tu utilises dans le jeu. Donc là, pas, ça a l'air un petit cossin en plastique vraiment, vraiment cheapette, mais bon, c'est une affaire de Rage pareil. Au prix que j'ai payé, tu me donnes le collecteur, va former ma gueule. M'a formé ma gueule. Avec ça, premier jeu que je me suis acheté. Tac. Le deuxième, c'est l'édition Game of the Year Spider-Man, donc avec toutes les DLC. Fait un bout que je voulais l'acheter, quand il est sorti, il coûtait un peu trop cher pour moi. Disons que j'avais le temps, j'avais des jeux à finir aussi également. Je me suis acheté deux manettes. Oups. Tac. Il y en a une qui est ici. Je vais essayer de la montrer sans vraiment la montrer. Clac. Vous voyez, une boîte ici. Donc, c'est une manette que je vais garder pour, j'ai acheté pour un de mes chums. Donc, les manettes à rabais, bien sûr. Je me suis acheté une belle petite manette pour moi. Un pour un de mes chums. Puis, je me suis acheté un casque d'écoute, un nouveau casque d'écoute, pas cher, très hot, très très hot. J'ai acheté une autre affaire d'électronique, un petit casque cheap, parce que lui il vient sans popper stopper, puis ben, j'ai customisé le casque quand il mettait un petit popper stopper, parce que Dieu sait que je fais des pop quand je parle dans le micro. Donc c'est pas mal mes petits achats que j'ai fait, je vais bientôt essayer également, mes petits achats que j'ai fait cette année pour le Black Friday. So, have fun, à plus gang.